Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec équipe Bombad Media nou la, depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas l'invite au côté Ronnie Timothée, Josué Melien, Biro Ondejea, kap attaque gouvernement PHTK. Mais avant nous faire ça, équipe Bombad Media nou la, vle remercier tout le monde qui toujours branché Bombad Media nou pour information pays. Et yon gros remerciement envers ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombad Police et qui Bombad Media là nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nous information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Avant nous démarrer avec information, nous voulons remercier tout le monde qui toujours supporte channel là, nous apprécier ou et puis nous remercier recevoir commenter nous yo. Et bien nous pas perdre de temps, n'a dérouler avec information yo en nous. Organisation en opposition continue mobilisation pour fixer position sous conjoncture pays. Ronny Timothée fait qu'on est li pas d'accord avec déclaration ministre justice et sécurité publique là Luc Mandelil qui parle la guerre Anel Belize qui c'est un ancien député dans Delma et Taba qui dans prison. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps n'a commencé coulier. Vive Haïti, mouvement social et politique a bail conférence de presse ça matin. Pour dire avec ministre injustice. Nous voulons parler de Luc Mandelil qui était un ancien militant dans l'opposition. Et qui était un commissaire gouvernement qui t'a persécuté nous-mêmes à l'époque où nous étions dans faux pack. Et je dis à comme récompense, il vient monter ministre injustice. Et tout le monde voit, je dis à qui injustice qu'a fait ce militant politique qui est en prison. Même garder le monde à libérer prisonniers politiques qui la caille. Même dans le pays, monde pas pensé, il a libéré prisonniers politiques par rapport avec pandémie qui est le corona. Malheureusement, par bon site, monde qui dit Jean Louis pas tenu compte de ça. Et il y a juste qu'un des prisonniers politiques qui est en prison. Il en a cherché à mener enquête pour qu'on ait. Pour que ça, il y a plein de prisonniers partout dans le monde, prisonniers politiques, et par bon site, il y a qu'un des prisonniers en prison. Et c'est après nous venons apprendre que le commissaire ou bien le ministre de la Justice, Luc Mandelil, a eu une altercation avec l'ancien député Anel Belize pour question femme. Et à partir de là, M. dit, Anel met mourir dans la prison, pas de personne qui va battre l'ordre pour le libérer. Maintenant, Viva Haïti vient dire avec Luc Mandelil, nous sommes anciens militants politiques. Nous avons une opposition, tout, nous avons attaqué le pouvoir, tout, nous avons crasé le commissariat, nous avons tous les policiers. Jour et jour, nous sommes très mal placés. Les peuples ont demandé la libération de monde qui est en prison pour cause politique, pour conviction, ou même au capitaine face, pour une question de femme, pour dire au peuple la guerre. Ça veut dire qui ça? Je dis la vie prisonnier politique, qui est Anel Belize, qui est Kilik et tout notre camarade, Babas et Latrier, nous avons la vie toute sous compte dans le cas où le corona a vint tout dans la pénitentiaire nationale. Deuxième sujet nous avons dans la conférence de presse, c'est la vague persécution politique qui a fait concernant un série de groupes bien déterminés dans la société. Nous sommes aujourd'hui en train de gang qui a annoncé qu'il y a 7 têtes pour le couper. D'ailleurs, nous avons fait écraser son genet, nous fait Dimitri Kouy qui est au pays, nous fait la famille Vob de Mahon, et cette fois-ci, c'est tout par Pierre Espérance et NDDH. Vive Haïti condamné à toute force nous, attaque qui fait sur le cadre RNDDH. Côté bandits armés, mal intentionnés, nous coup de sous local RNDDH, heureusement pas de monde qui est victime. Je dis à Vive Haïti après tant la police avec la justice pour nous si assassin ça y est, pas en bas code. Et tout le monde voit Pierre Espérance son monde qui en bas gros menace depuis quelques temps. Parce que nous tendons au sein de bandits qui proche pouvoir depuis la Paris, dans la radio, dans la télévision ou sur internet, c'est Pierre Espérance et NDDH qui ont attaqué. Mais nous voulons comprendre toute vague persécution politique ça, que Pierre Espérance ou bien NDDH a subi dans la ULCC. Premièrement, c'est une question contre un rapport qui était fait contre le directeur général ULCC qui fait le perdu de job pour question corruption. Mais je voulais vous dire, comme nous connaissons depuis nous, eh bien, non, si de la corruption par bon ici, pour voir PHTK, c'est promotion le baou, eh bien, nous voyons faire monsieur le directeur ILCC et qu'on a là, monsieur Rip en revanche. Revanche là, uniquement parce que Pierre Espérance ou bien NDDH qui fait rapport contre lui. Mais par contre, là,
entendu 1,500,000 gouttes, qui veut dire $300,000 haïtiens. Nous avons peut-être M. Chokou ouvert l'autre pour chercher. Pendant ce temps, nous avons 4,800,000,000 de dollars qui n'ont même Michel Malfini, Olivier Malfini, Sandro Malfini, Sophia Sérémy Malfini, Laurent Gagot et Latrier. Tout le monde a gardé Mounsaou dans le jeu comme quoi que de saluer c'est papa Mounsaou, de saluer c'est bon père nous, mais il y a le droit de gagoter l'argent nous. Nous avons le droit de poser une question. Et pour nous garder tout, qui danger que l'équipe HK a représenté pour présent à demain pays. Et l'équipe ça a comme nécessité pour tout pays, pour le VKP général, que rapidement nous joignons code. Rivière pour Jovenel Moïse, à toute l'équipe de voleur, pour la cacao souffle, pour garantir que petit monde, nous-mêmes, qu'on va venir en dans le pays d'Haïti. Deuxièmement, c'est pour nous annoncer ensemble d'activités de mobilisation que la carrière organisation va être ensemble à réaliser justement la perspective pour nous arriver, trouver le terrain et arriver, faire jouer un bat derrière rapidement avant 7 février 2021, qui est date qui est supposée qui est pouvoir. Mais, pour répondre, ça va faire comme dégâts, nous ne pouvons pas perdre le 17 février, si vous ça, vous appelez à la mobilisation pour que nous arriver rapidement, libre le pays à des régimes comme il y a des cas. Sous le premier point conjoncturel, nous mettons que nous en face d'un régime qui n'a pas gagné confiance pour la population, pour plusieurs raisons. Parce que la population connaît son bon menteur, un beau frère, son bon nez, cap, bail menti, par-ci par-là, et son bon corrompu qui n'a pas mérité confiance pour la population. Et nous n'avons fait rien pour améliorer la situation, Au contraire, ça nous fait, c'est envimer la situation, nous avons aussi des actes à poser. Par exemple, nous avons façon de gérer la crise pour la ministre, dans une totale opacité, sans transparence. Tout ça contribuait à faire le peuple par peur au sérieux, par faire confiance encore plus. Nous dit par exemple, vous avez pensé, sur le 25 mars, sur le 15 avril, 19 millions de dollars américains, puis 714 millions de gouttes. Mais, peu importe comme d'aller, nous avons observé, on est qui ça comme ça fait. Toujours, le hôpital n'a pas d'équipement nécessaire pour travailler sur le pour notre santé à tout le monde. Et c'est tout le monde qui est victime d'un coronavirus. Deux, vous avez pas non privé, je viens d'agir te dire payer, ça a l'air d'être qu'est-ce qu'on a vu ça, c'est déjà pour un payer. Pour ce notre public, vous avez 2-3-4 à le salaire, vous avez un payer, c'est déjà, ça qui fait qu'il y a plus d'enseignants dans tout pays qui bloquaient différentes qualifications et pour exiger que l'État paye. Donc, et ouvrier tout, vous avez payé le salaire, sorti gap d'ailleurs, et vous pouvez faire tout le travail, la commission vous connaît. Donc, deux, troisième année, ils ont dit par exemple, tout le monde passait 10 pounds par réunion. Alors que nous prenons 100, 200, 300 mounes, il y a des plus soupines pour faire 4 débats, parce que nous devons faire élection piquée au nez pour que Ben PHTK retourne dans cette pays encore pour faire pays à tourner. On change d'homme côté monde, pas ta ville et la donne. Et depuis qu'on a dit tout ça, nous tenons Luc Pandeline qui a dénoncé un groupe qui est le groupe terroriste. Mais il prend des lignes en tant qu'équipe gouvernementale qui prend le compte des plats. On est mettre dans l'investissement là et mettre l'école, mettre l'hôpital, cette loisir à trier, le quartier populaire, tout jeune. Ces âmes, lâchez les jeunes. L'on est juste pour le peuple là, qui le servit. L'île, le petit peuple, ça a été fait un bandit, ça y a tout et l'autre. Donc, qui ça peut dire? Est-ce que c'est un régime démocratique ou un régime terroriste qui est? Est-ce que l'île Pandeline est autorisation? Est-ce que l'île Pandeline peut parler de questions terrorisme lorsque nous connaissons qu'il fait partie de gouvernement de régime qui va acheter des armes par le petit peuple là, pour être des bandits, pour tout et l'autre? Après, il fait même tout et l'autre pour tout le. Qui qualité d'infrastructure sanitaire que le pays a gagné? Et nous voyons qui j'en moun la caillou y a mouri. Eh bien, mission par nous, c'est faire sentir ça qui a passé à l'étranger. Si nous pas prenons précaution, malgré tout ça, nous même gagné à la disposition pour protéger la santé moun la caillou, pour y ça qui a passé, eh bien, capable nous voir plus grave. Mais malheureusement,
Premier groupe moun qui pral annoncer coronavirus en dans pays ya, c'est des moun même propre tête pa yo pa fait confiance. C'est équipe PHTK, c'est Jovenel Moïse. Population, on dirait que le parcours dans la question coronavirus. Nous-mêmes, dans diverses enquêtes qu'on fait à travers tous 10 départements pays et même sous frontière, c'est pas quoi le parcours coronavirus n'a pas existé, il y a quoi il existe. Mais cependant, il y a crié Jovenel Moïse avec Jout Joseph pour ne pas servir avec la question coronavirus pour voler l'argent pays. Et ceci, nous voyons à travers un pile déclaration que nous avons fait, c'est menti sous menti. Tout ça que nous avons fait, c'est faux. L'argent qui est débloqué près de 3 millions de dollars américains, 352 millions de dollars américains, qui est déjà débloqué, soit qui sorti dans le trésor public, soit qui sorti à l'étranger. Yo dit, mais ça au pral fond dans pays nous tous nous capables constater même gens avec nous même au niveau organisation sociopolitique Viva Haïti pas grand fait dans le pays. Pour qui ça? Parce que nego c'est quoi il a fait? Eh bien nous dit population hein? Jovenel Moïse mandat a fini 7 février 2021. Pour nous aider par Jovenel Moïse même Jean Matéli il est après aller 14 mai et 7 février 2016 nous elle t'a créé tant que petit monde petit qui t'a crié pour bibon même gens avec la paix tout les mandats t'est fini nous elle t'a crié tant que petit monde qui t'a petit monde qui t'a crié pour paix etc. Nous même tout pour nous rester vivants pour nous suivre départ Jovenel le 7 février 2021 pour nous voir qui attitude lui qui comportement qui sale pour l'afficher par la société a faut que nous être vivants pour nous être vivants. Jovenel a mangé avec Jout a mangé comme coronavirus là, et ben nous même faut nous protéger vin. Et c'est ça jodi a là. Nous vin di avec population pour nous dire faut que continuer protéger vie. Moun yo di a bay masque. Comme nan moun d'approche yo, yo pa fan rien ensemble avec comme yo prend comme. Yo di a bay comme ouais c'est campagne électorale y a fait ensemble avec lui. PHTK est venu avec pour acheter un vote 1000 gouttes. Comme c'est l'ité by prix vote, prix green vote, yo, c'était 1000 gouttes. Jodian, li passe de 1000 gouttes à 3000 gouttes. Ça, je venais la faire là, le fouet comme maintenant trésor public, à voler l'argent pays ya, pour yo by population, soi-disant yo by population, mais yo partisan yo, mais c'est vote qui a acheté dans même moun yo à 3000 gouttes. Nous disons, nous regrette ça pour lui. Pays ya, le poko pré-élection, et quel que soit monde qui comprenne, leader politique ou pas, qui comprenne pays ya, les non-situations aujourd'hui en côté le cas prêt pour élection, nous disons de tromper. Pays a beaucoup prêt pour élection et l'aile prêt pour élection, c'est non, au niveau population, nous pas le sentir. Et nous voulons dénoncer une bagarre qui a fait un d'un pouvoir PHTK aujourd'hui. Nous constatons à travers plusieurs pays à l'étranger, gagner des gouvernements, gagner des présidents qui annonçaient salaire. Frère yo, yo coupé yo de moitié. Pour yo konnen pays yo, pa gen de gros moyens pour faire face à coronavirus là. Et mes ti moyens yo gen an coupé li et puis pour nous wè sin ka voye on parti la dan dans quatre batailles contre coronavirus. Alors que en Haïti c'est pas ça que fait. Non seulement yo toujours kembe, ça veut dire salaire yo. Toujours kembe et frère yo, mais jodi an pouvoir PHTK yo vini en question de prime de risque. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.